c'est les photos quand j'avais 2 ans. Donc là, c'était sur Morillon en sang, là aux Essers, sur une petite pente avec des skis en plastique. Là-dedans, il y a le résumé de toute une carrière, du plus bas niveau ou du petit niveau jusqu'au titre suprême, quoi. C'est ça qui est intéressant quand on suit, parce que je les ai numérotés exprès, pour pas me tromper, pour qu'on prenne à la suite, quoi. Mais là, on débute la première photo qu'on a vue là, dans le poney à la maison, puis on finit champion olympique, quoi. Je ne pourrais pas vous dire ce que ça fait, parce que ça, ça fait toujours, c'est de l'émotion. On va dire ça comme ça. C'est beaucoup d'émotions et puis de souvenirs. C'est des grands souvenirs et qui ne s'effaceront pas. Ça ne peut pas s'effacer, ça. Bien sûr. Dans les 10 cahiers, il y a quasiment de 78 que j'ai commencé, même avant, parce qu'avant que j'arrive, mais pour ce qui me concerne, de 78 à 2006, quoi. Bah, ça fait penser à plein de trucs. Puis c'est pas toutes les collections de cahiers qui se terminent par une médaille de l'Olympique à la fin. C'est ça, c'est ça. Là, on est donc dans l'atelier de mon père. En fait, j'ai un peu grandi là. On habitait au-dessus, donc quand j'étais pas à l'école ou au ski, j'étais là à piquer des planches et des clous pour faire mes cabanes, quoi. Il y a toujours le ski partout. Il y a des photos aussi. Ça ne peut pas d'aujourd'hui, ça. Je sais même pas de quelle année. 86. Oh, tu vois les calendriers chez nous? Ça a toujours tourné, c'est vrai, autour du ski, du bois et puis de la passion des deux, ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Quand j'ai arrêté, déjà, j'avais rien prévu, donc je savais pas ce que j'allais faire la semaine ou le mois qui suivait. Donc je pensais pas que j'allais, 10 ans après, fabriquer des skis, ça c'est sûr. Puis au bout d'un moment, maintenant, on se dit que ça devait être écrit, quoi. C'est un peu une suite logique et il n'y a peut-être pas de hasard, quoi. Ça, c'est votre gamme. C'est qui le bonhomme, là? Ah, ben, c'est un mec que j'ai trouvé. Il coûtait pas cher pour faire la photo. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Alain Zanko et que j'ai commencé à discuter avec lui de ski, etc., il y a les machines et les odeurs de bois, ça m'a rappelé des souvenirs, ça, c'est sûr. Ouais. Parcours professionnel, bah, ça commence en 83 chez Rossignol. Recherche au sein du service recherche, en tant que technicien en informatique scientifique et technique. Et puis en 97, donc, on m'a donné la possibilité de récupérer, donc de prendre la tête du service recherche. Et puis 2006 est arrivé très vite avec Quicksilver. Donc j'ai vite compris que la recherche, bah, c'était plus à la tasse de thé de cette nouvelle société. Et donc j'ai décidé de prendre mes ailes et de créer AZ Atelier. AZ Atelier, c'est un cheminement parce que personnel d'abord au départ. Parce que je trouvais plus ce qui est à mon pied. C'est-à-dire que déjà en étant dans la maison, je ne trouvais plus l'outil pour me faire plaisir. Plus tard, Antoine m'appelle, écoute, je viens de voir parce que j'ai des idées. Et puis je dis, écoute, moi j'ai un atelier, aujourd'hui j'ai 60 ans, il faut que je pense à passer le relais, il faut que je trouve une solution pour
pour que mon histoire ait une suite, quoi, parce que c'est dommage de m'en arriver là. Tout ce que j'ai fait, ça, si ça tombe à l'eau, je serais malheureux, quoi. Nos chemins se sont rencontrés là, et puis depuis, ben, on continue ensemble, on échange, on est en phase permanente, de passionné. Bah, c'est un orfèvre, il a de l'or dans les mains, il a une expérience, je dirais, un savoir-faire que pas peu de gens ont en France. Donc pour moi, ça a aussi une grande valeur, et c'est une grande partie de l'entreprise, je dirais, c'est de pouvoir continuer ce savoir-faire, de le faire perdurer dans le temps, et puis j'espère que ça va durer longtemps, quoi. Antoine et moi, c'est une chose, mais bon, il faut mettre du monde derrière, parce que bon, ben, on a beau avoir des grandes idées, mais il faut faire. Donc faire, il faut embaucher, il faut former des jeunes. Et donc là, on a un jeune qui s'appelle Julien, qui apprend le métier. C'est quelque chose d'assez chorégraphié, vous avez pu le voir tout à l'heure. On arrive en même temps, on part en même temps. Travailler à quatre mains, c'est quand même quelque chose qui s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut très bien se connaître, il faut se comprendre, il faut savoir du coup anticiper ce que l'autre va faire. Ça met la pression parce qu'Alain, il a quand même beaucoup de savoir-faire, il a énormément d'années d'expérience. Et puis comme il a travaillé dans un poste de recherche, il a expérimenté énormément de choses. Alain, il est capable, au bout de deux prototypes, de sortir un ski qui est vraiment très, très bon. Moi, ils m'ont présenté le poste comme acquérir le savoir-faire de Alain et puis poursuivre un petit peu une fois qu'Alain se retirerait. Donc un poste plutôt polyvalent, plutôt axé production. Il fallait maîtriser pas mal de savoir-faire. On voit vraiment l'ensemble des étapes de fabrication et on fabrique nous-mêmes des pièces que toutes les marques ne fabriquent pas, comme les noyaux par exemple, sont entièrement fabriqués ici. Quand on fabrique une cale de ski aujourd'hui dans l'atelier, c'est un assemblage de bois différent. Ce n'est pas une planche qu'on découpe à la scie sauteuse. On met ça dans un moule, c'est-à-dire qu'on a des longerons, fait en lamelles collées, où là on va respecter la mécanique du bois, on va l'assembler par lui-même, de telle manière que tout ça soit cohérent. Tout cet assemblage, il faut qu'il soit parfait. Chaque matière s'exprime complètement à travers les skis qu'on fabrique. Nous, on n'est vraiment pas dans la quantité. On est vraiment dans le travail fait à la main, petit à petit. Les jours où on moule des skis, on fait entre 6 et 8 paires de skis par jour pour donner une ordre de grandeur. C'est ce que faisait Rossignol il y a 100 ans, à peu près. Il faisait 6 paires par jour. Côté avec du noyer, du côté extérieur c'est du frêne, et en fait le noyer sur la piste ça donne beaucoup de stabilité et de précision, et ça absorbe les vibrations. Donc là comment tu fais, tu défonces ou ça vient partout, comment ça marche? En fait on découpe la lamelle de bois, oui, on découpe le carbone et c'est embossé dedans. Okay. Comme nous avec les moules à chocolat, c'est quand on découpe, tu sais, fais voir ma machine à 3D là, tu sais, quand on découpe, quand on découpe et qu'on fait des montages et des superpositions comme ça, c'est un peu ça en fait, c'est rigolo. C'est assez fascinant de voir les étapes qu'il y a aussi, comme nous dans le chocolat, toute la préparation et puis l'étape pour arriver à la finalité et pour faire un joli ski, quoi. Oui, parce que nous, en fait, c'est un peu pareil. Toi, tu dois choisir des très bonnes matières premières pour faire des bons chocolats. Et nous, c'est un peu pareil. On doit choisir les meilleures matières premières, les meilleures essences de bois. J'aime pas vraiment dire que mes skis, c'est des skis de luxe, parce que c'est avant tout des skis qui sont faits avec des très beaux matériaux, des très belles essences de bois qui sont très...
je dirais, technique. Et c'est la performance dans le sens skiabilité avant tout. C'est pas un ski de luxe. Enfin, c'est pas un ski moyen sur lequel on mettrait un diamant qui servirait à rien. Bienvenue à la Sambouille. Je pense qu'Antoine, il est comme moi quand je crée mes recettes. C'est pas de faire de la quantité, mais de faire de la qualité. Et c'est pas d'aller chercher un produit de masse, mais un produit qui est vraiment respectueux, qui est fait avec les mains, qui est fait avec une sensibilité. Moi, le ski, c'est ma passion. J'ai grandi dans le ski. Le ski m'a apporté énormément de choses. Que ça soit en compétition, au loisir ou au niveau personnel. Donc j'ai envie de faire les plus beaux produits possibles, les plus beaux skis possibles, dans les règles de l'art, avec de certaines valeurs. On a les mêmes ambitions. J'ai autant d'ambition pour lui que pour moi. Dire moi, c'est transmettre. Mais par contre, lui, je veux qu'il soit arrivé, que ça fonctionne, que l'histoire, ben, elle se perpétue, quoi. Je suis quelqu'un qui me remet souvent en question. Il me restera toujours beaucoup de choses à apprendre. Et plus on en apprend, plus on se rend compte qu'il nous reste des choses à apprendre. Donc tant que c'est dans cette dynamique-là, moi, ça me convient très bien. Il y a encore beaucoup de boulot, donc il faut pas se relâcher. Au contraire, c'est un peu comme si j'étais revenu au début de ma carrière de skieur.